بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم، صلي عليه سيدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Ouah, bonjour, mes frères et sœurs en humanité. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur à l'islam. Pas bien de continuer dans l'égarement. Tout ça va s'arrêter. N'importe quel moment, ça peut s'arrêter. La mort rôde. La tombe t'appelle. Donc, s'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, entame la plus grosse, la plus belle, la plus extraordinaire des recherches que tu vas commencer et qui va te mener, si tu es sincère, vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers une religion complète, vers une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'apaisement, vers le bonheur, vers la justice et qui te permettra d'être au paradis éternellement. Ça ne peut que être bénéfique. Ça t'éloignera des choses mauvaises, ça t'éloignera de suicide, dépression, alcool, malheur, toutes choses mauvaises, tout ça, méchanceté, injustice, vol, fornication, avortement, toutes les choses mauvaises là, pas bonnes, va, toi, préserver, Islam, préserve-toi, s'il te plaît. Donc, retour, s'il te plaît, retour rapide, s'il te plaît. Qu'Allah vous guide. Bonjour mes frères et sœurs, je l'ai dit. Salam alaikum. Salam alaikum tout d'abord. Barakallahu fik pour tes vidéos. J'attends à chaque fois vos nouvelles vidéos. Cela me permet de me remettre en cause. Alhamdulillah. Alhamdulillah que ça te remet en cause et ça nous permet de faire un rappel. Alhamdulillah qui nous remet tous en cause. Alhamdulillah. Concernant ma foi, j'ai un problème. Des fois, ça va très bien. Des fois, c'est catastrophique. Un effet de yo-yo. Yo-yo. Comme les cours de la bourse. Ça m'attriste. Je suis dégoûté de moi. Même que dois-je faire, donc de moi, de moi-même, ah oui, de moi-même. Que dois-je faire pour tenir un bon cap, le juste milieu? J'aimerais bien aussi que sur tes vidéos, que tu parles sur un phénomène qui gangrène nos sociétés et qui est très répandu chez les femmes. Je ne suis pas sexiste, mais c'est une réalité. C'est la médisance. Quand les femmes se rencontrent, ça parle que d'autres sur d'autres personnes. Il y a que ça. Dernière chose, j'ai entendu un jour un frère dire qu'apprendre l'histoire est une perte de temps et que ça sert à rien. Étant moi-même passionné par l'histoire et précisément de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que je suis en tort? Voilà, barakallahu fik pour toi et ta femme qui t'aide à faire ces vidéos. Qu'Allah vous donne le paradis, inshallah. Et s'il te plaît, ne m'oublie pas dans tes invocations. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon frère de l'Algérie. Là, je vois sur ton pseudo que tu viens, je pense, de l'Algérie. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah te comble de bonheur. Qu'Allah stabilise le repentir sincère dans ta vie. Qu'Allah te fasse goûter le délice de la guidée. يا ربي يهديك ويرضيك ويغفر لك ويسجيك ويطريك وينقيك ويجمعني بك في الجنة في جناته جنات النعيم. Par rapport à yo-yo, ton histoire du yo-yo, mon frère, tant que tu as un souffle de vie, tu vas devoir combattre deux choses, Shaytan et ton nefs. Shaytan a juré par Allah subhanahu wa ta'ala de te dévier. Donc il ne vit que pour tes beaux yeux. Il ne vit que pour toi, pour moi et pour l'humanité. Parce que lui, qui avait beaucoup de connaissances et qui a accumulé beaucoup, beaucoup de sciences, depuis, parce qu'il existe depuis l'année avant la naissance de Adam, et il va rester jusqu'à la fin des temps. Donc il a accumulé beaucoup, beaucoup de sciences, comme je le répète à chaque fois, beaucoup de manèges, beaucoup de stratagèmes, beaucoup de ruses pour te faire dévier. Et ton nefs, et nefs, il y a plus ou moins 3 à 4 nefs décrits dans le Coran.
النفس الأمارة بالسوء. النفس ton نفس qui t'ordonne que le mal. Elle ne fait que ça. Que la turpitude, que le blâmable, que le mal. D'accord ? Donc ton nafs et ton shaitan, a'da'ika, les pires ennemis que tu as sont toi-même et ton shaitan. Donc comment on garde la foi ? La foi peut baisser. La foi peut baisser. Personne ne peut prétendre, personne ne peut dire qu'il reste à un certain niveau de stabilité de foi. Même à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hanzala et Abu Bakr al-Siddiq se sont rencontrés. Et Hanzala, Rasil al-Malaika, si ma mémoire est bonne, a dit à Abu Bakr al-Siddiq que quand je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous décrit l'enfer, c'est comme si nous sommes dedans. Quand il nous décrit le paradis, c'est comme si nous sommes dedans. Et nous sommes apaisés, nous avons un niveau de foi très élevé. Dès qu'on rentre chez nous, on se distrait, on se déconcentre, on se concentre sur autre chose. Abu Bakr al-Siddiq lui a dit, je me plains de la même chose que toi. Ils sont partis tous les deux voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ça. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si vous restez sur le même état que quand vous êtes avec moi, la safahat ou le malaïka du futuroqat, les malaïka et les anges vont vous saluer dans les rues. Mais sa'atun wa sa'a, il y a un moment, il y a une heure pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'évocation, pour l'invocation, pour tout ça, il y a une heure pour se reposer, pour consacrer un peu de temps à son épouse, à sa famille, à ses enfants. Et cette deuxième heure, normalement, ne doit pas nous faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on l'utilise aussi toujours pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand tu aimes ton épouse, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lui fais plaisir, tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais plaisir à tes enfants, tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commerces, tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu respectes le halal, si tu respectes la déontologie du musulman, dans tous les domaines de la vie, normalement, on doit s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi baisse. Maintenant, qu'est-ce qui fait baisser la foi? C'est surtout les péchés. Shubuhat ou shahawat. Les shubuhat, c'est les doutes. C'est toute chose qui te fait douter ta religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et shahawat, c'est les passions et les plaisirs. La grande majorité des mots des shahawat commencent par le regard. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala demande de baisser le regard. Donc, vérifie-toi si tu ne baisses pas ton regard, si tu regardes la pornographie, si tu écoutes la musique et les chansons, si tu perds ton temps, si tu délaisses un peu la prière, si tu ne la fais pas à l'heure, si et si et si et si, toutes ces choses-là sont l'origine de la baisse de la foi et le yo-yo. Qu'est-ce que je dois te conseiller? Le Coran, la lecture du Coran, l'apprentissage de l'arabe si tu ne l'as pas encore fait, pour commencer à te nettoyer, à te désinfecter par le Coran. La lecture de la sira nabawiyya, la lecture de la biographie de la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un trésor infini de choses qui vont t'apprendre sur toi-même, sur l'humanité, sur la vie, et qui va te permettre de prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. La bonne fréquentation, la non-perte de temps, la méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de fréquenter des gens bien qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup, 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 beaucoup de choses qui vont te maintenir dans la foi, le fait de faire toutes les prières à chaque fois que tu peux, dans la mesure du possible, dans la mosquée, parce que faire la prière en groupe dans la mosquée est une obligation pour les hommes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses qui, et surtout la bonne fréquentation, et surtout d'être avec le jama'a, avec un groupe de bien, des gens qui vont vraiment te parler et te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ceux qui prennent l'islam aujourd'hui comme une mode, pas ceux qui prennent l'islam pour détruire les autres, pour dénigrer les savants. Non, des gens observent bien ceux qui font toujours le fajr à l'heure. La première prière, le fajr, salat al-fajr, ceux qui la font à l'heure sur la durée. Viens à la mosquée et observe-les. Tu vas trouver subhanallah qui sont des gens doux, paisibles, qui vont toujours te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis-les, inshallah, lis le Coran avec eux, apprends avec eux, élève-toi avec eux, installe dhikr dans ta vie, évoque avec ta langue, fais des doigts, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider pendant la prosternation, demande-lui de te guider toujours pendant la prosternation, à chaque fois que tu peux faire des doigts, subhanallah, le dhikr, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, toutes les choses qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et crois-moi que tu vas y arriver. Pour tes deux questions, autre, la médisance, j'ai déjà fait une vidéo. L'histoire de ne pas étudier l'histoire, il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui racontent tout et n'importe quoi. Toute chose doit être utile. Si l'histoire que tu étudies sur la deuxième guerre mondiale
t'apprend quelque chose, te fait réfléchir, te fait prendre du recul. Tu peux l'utiliser aussi pour faire la da'wa, de dire que 60 millions de morts, c'est pas la cause des musulmans, c'est la cause des non-musulmans, c'est eux qui ont massacré 60 millions de personnes. Donc tout ça, ça peut te servir. Donc toute histoire bonne, bénéfique, qui peut te permettre de méditer sur tous ceux qui nous ont précédés, ne peut que t'élever, mon frère. Toujours mettre la niyya, pourquoi j'apprends l'histoire, pourquoi j'apprends la géographie, pourquoi je prends la biologie cellulaire, pourquoi j'apprends la biologie animale, pourquoi j'apprends la génétique. Tout ça nous aide à méditer et nous élever. Qu'Allah te bénisse. Osez propager cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence, YouTube, chez nous YouTube. Et je vous invite chez nous aussi sur Facebook. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.